Oh, Sioma, oh, Sioma, s'il te plaît, ma fille, ne me fais pas ça. Oh, Sioma, oh, Sioma, je t'en prie, s'il te plaît, ma fille. Oh, Sioma, oh, Sioma. Oh, Sioma, oh, Sioma, oh, Sioma, ma fille, s'il te plaît. Oh, Sioma, oh, Sioma, reviens. Oh, Sioma. Hey. Hey, ils m'ont tué, oh, je suis fini, mon Dieu. Hey, 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 qu'est-ce que je fais? Quel est le roi? Qu'est-ce que je fais? Quel est mon fils? Est mort il y a 3 années. C'est à cause de cette même maladie. Ougene, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que j'ai offensé à quelqu'un? J'ai été mariée comme toute autre femme. Quel crime ai-je commis? Qu'est-ce que je fais? Je suis sûre que je n'ai rien fait de mal. Hey! C'est déjà la nuit. Osioma n'est pas ici avec moi. Hey! Laisse-moi un peu te demander. Par quel chemin est-elle passée? Dis-moi un peu. Ce qui est grave, j'étais en train de courir pour l'attraper, mais elle est entrée dans la forêt. Elle est même mon égio. Tu n'es que mort. Elle est passée à la forêt. Mais mon Dieu. Mon Dieu, s'il te plaît, mon Dieu, pitié. Mon Dieu. Maman Osioma, je ne veux pas que quelqu'un sache ce qui est en train de se passer. Je suis en train de parler du mental dans lequel se trouve notre fille. Alors s'il te plaît, as-tu déjà parlé de ça à quelqu'un? Je ne l'ai dit à personne. Comment je peux raconter cette histoire à quelqu'un? C'est bien. Que ma fille est devenue folle? Il faut que ça reste entre toi et moi, s'il te plaît. S'il te plaît, alors, allons chercher Isioma. Il faut, allons-y. Allons-y.
Osioma. 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 Je ne pense pas que Osioma est ici. Nous avons cherché partout ici. Osioma n'est pas ici. Nous avons crié en son nom, l'appelant. Si elle était ici, elle aurait répondu. Osioma n'est pas ici. Nani, qu'allons-nous donc faire? Je ne saurais pas quitter ici sans pour autant voir ma fille. Mon Dieu, peu importe ce qui est arrivé à ma fille, je ne saurais pas le supporter. Je vais me suicider. Arrête de dire ça. Arrête de dire des choses comme ça. Tu veux me crier de problèmes? Osioma. Il faut qu'on parte d'ici. Cet endroit n'est pas bien. Allons-y. Osioma, ma fille bien-aimée, s'il te plaît. Où es-tu? On s'en va. Osioma, ma fille, où es-tu? Osioma. Hey, mon Dieu. Hey, ma fille. Nani. Nani. Il faut qu'on parte d'ici. Il faut qu'on parte d'ici. Nani. On s'en va. On s'en va. Elle était passée par là. Allons-y. On s'en va. Nani. Nani. Ozzy? Ozzy, tu es là? Maman? Ozzy? Ah ah. Mais où est-ce qu'ils sont? Ça doit faire 2 jours que je n'ai pas vu Osioma. Et elle ne vient plus chez moi comme d'habitude. Ça ne lui ressemble pas. J'espère qu'elle va bien. Bon, peu importe, je vais quand même chez Obadjulu pour voir si elle est là-bas. Maman Osioma. Nani. Rentre à la maison. Va-t'en. Je veux aller au village Mochu pour quelque chose. Et alors, rentre à la maison. Je vais bientôt te rejoindre. Je ne vais pas traîner. Vas-y.
Maman, bon après-midi. Keneka. Maman. Comment vas-tu? Je vais bien, maman. Ah. Ah, maman, tu n'as pas l'air en forme. Vous allez bien? Ma fille, tout va bien. Je vais bien. Je vais bien. Ah, je venais justement de chez vous. Et il n'y avait personne. Maman, où est partie Ozioma? Parce que ça fait deux jours maintenant que je ne l'ai pas vue. Ozioma est partie à Omona. Mon frère l'a invitée. Maman, tu es sûre que tout va bien? Tout va très bien. Ok. Je viens de quelque part et je suis un peu fatiguée. Ok, maman. Ok, maman, va te reposer. Okay. Je pars à la maison me reposer. Comment va tout le monde chez ils vous? Ils vont aussi bien. Ok, complimente-les pour moi. Ok, maman. Bye bye. Oh, pas de problème. Tout ne va pas bien. Tu es sûre que maman n'est pas en train de me cacher quelque chose? Ah, je m'en vais. Que peut bien faire une si belle fille comme toi dans la forêt, en train de manger des herbes comme un animal? Hein? Je veux t'aider. S'il te plaît, je n'ai pas d'armes. À la place de manger de l'herbe, je peux te trouver de la viande. Hein? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et qu'est-ce qu'elle est en train de manger? De l'herbe. Hein? Hey! Pourquoi es-tu assise ici en pleurant? Obidie, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi seulement moi? Pourquoi moi? De quoi parles-tu? Maman Zuma, s'il te plaît, ressaisis-toi et parle-moi. Ma sœur, tu sais comment mon fils Ikena a été mort il y a de cela 3 ans passés, après avoir souffert de la folie pendant plusieurs années. Ne me dis pas que tu es réveillé ce matin en train de penser encore à Ikena. Hey, je souhaite que je voie encore Ikena. La même folie a encore affecté Ozioma. Ne dis pas ça! C'est depuis quand ça? Depuis... Hey! Depuis hier matin. Je m'apprêtais pour aller à la réunion de Omwada.
J'avais entendu Ozoma crier depuis sa chambre. Quand j'étais arrivée devant la porte, elle m'avait poussée. Elle avait fui dehors. Et la folie avait commencé. J'étais confuse. Lorsque j'étais en train d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, elle avait pris fuite. Hey! Et j'avais couru après elle pour l'empêcher. Elle avait vite fui dans la forêt. Je ne sais pas quoi faire. Et juste ce matin, son père et moi étions allés à sa recherche. Le pire est que on ne l'a pas retrouvée. Je ne sais pas où retrouver ma fille. Je ne sais où partir et qui appeler. Je ne sais que faire pour les... Qu'est-ce qu'on a fait? Je ne sais qu'est-ce pas. Qu'est-ce qu'on a fait? Je ne sais pas. Hé, hey, je ne sais pas. Eh hey, mon Dieu. Tu connais bien aussi mon histoire. Mon fils Chinedu a la même maladie. Et alors à propos de mes filles? Elles ont le même problème dans la maison de leur mari. Qui avons-nous offensé, mon Dieu? Oh, mon Dieu, qui? Hé, hey, c'est qui? Hé, hey, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Hé, hey, mais pourquoi tout ça? Hé, hey, mon Dieu, oh, hé. Hey. Mon job, tu vois, Thank you.
Salut. Hein? Hé hey. Hein? S'il te plaît, s'il te plaît. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je n'ai pas d'armes. Et qui es-tu? Mon nom c'est Ebuka. Je suis un chercheur. Ah. Hein? Laisse-moi t'aider. Lentement, lentement. D'où viennent toutes ces plaies? C'est bon. Et comment je suis arrivé ici? Je vais prendre soin de toi, c'est bon. Hein? Je vais t'amener chez moi à la maison. Et où? Ne t'inquiète pas, je vais très bien prendre soin de toi. Désolé. Mais qui es-tu? Je vais juste t'aider. Hein? Mon nom c'est Ebuka. Je suis un chasseur dans ces villages. Hein? Je peux même partir avec toi chez moi à la maison. Oui. Oh. Hein? Calmement, lentement. Laisse-moi d'abord t'aider. Attends, allez. Désolé. Continue. On peut aller comme ça. Oui, lentement. Dis-moi, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je vais t'amener chez moi à la maison et je vais très bien prendre soin de toi. Ici, tu n'es pas en sécurité. Hein? Ne penses-tu pas qu'un danger puisse t'atteindre ici? Allons-y. S'il te plaît. C'est bon. Hein? Allons-y. Lentement, ok? Tu vas mieux te sentir. Hein? Tu vas mieux te sentir. Hein? Lentement, hein? Allons-y. Lentement, hein? Allons-y. Avance. Avance par ici. Hein? Allons-y. Lentement, hein? Mets-toi là. C'est bon, tu vas mieux te sentir. C'est bon. Hein? S'il te plaît. Désolé, hein? J'ai tellement honte de moi-même, je te Mais dis pourquoi pas. Non? Hein? Tu ne le dois pas. Tu ne dois même pas avoir honte de toi. J'ai venu à tout moment te regarder là-bas dans la brousse depuis le premier jour où je t'ai vu. Hein? Mais le premier que tu ne me permets pas que je puisse me rapprocher de toi. Hein? Alors, de quel village viens-tu? Je suis de Amekpa. Oui, je suis de là. Eh mon Dieu! Ici, nous sommes à Omacheziama, non? Tu veux dire, je suis à Omacha? Ici, nous sommes à Omacha, non? Hey! Mon Dieu! Hein? Non, désolé, pardon, ne pleure pas. Arrête, s'il te plaît, je vais t'amener dans ta famille une fois que tu vas mieux te sentir. Je vais aller voir mes parents. Je sais, hein? Je vais te ramener chez toi une fois que tu vas mieux te sentir. Hein? Ma mère sera très inquiète. C'est bon. Et je suis aussi très sale. C'est bon, tu vas mieux te sentir. Hein? Calme-toi. Laisse-moi d'abord te trouver quelque chose non, à manger. Ne dérange hein? pas. Je veux savoir quel est le problème. Parce que ça ne ressemble pas à Ozioma. Ça fait une semaine déjà que j'essaie de la joindre au téléphone, mais en vain. Et elle n'a même pas cherché à me visiter. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe au juste? Maman! Qu'est-ce qui se passe? Sois le bienvenu, mon fils. Merci, maman. Mais pourquoi tu es assise sous le soleil, sachant que ce n'est pas bon pour ta santé? Ça va empirer la fièvre, maman. Par ailleurs, où est Ozioma? Ozioma! Ozioma, ma fille! Oh! Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures criant le nom d'Ozioma? Maman! Dieu merci que tu sois là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Nika, ça fait une semaine que je n'ai pas vu Ozioma et j'ai fermé ma boutique pour venir voir.
Et je suis arrivé ici, j'ai vu maman pleurer, criant le nom d'Ozioma, Ozioma Mo. Et je lui ai demandé ce qui se passait. Maman, pourquoi tu pleures, s'il te plaît? Dis-le-nous. Ozioma, Ozioma est perdu. Hein? Ozioma a disparu. Qu'est-ce que tu veux dire? Ozioma a connu un problème mental. Elle est devenue folle. Et elle a fui la maison. Depuis ce jour-là, son père et moi sommes en train de la chercher. On ne la retrouve pas. Hey! Ozioma est devenue folle. Oh, Bienjulu! C'est comme ça que tu agis? Est-il en train maman, de partir? T'inquiète pas, maman. T'inquiète pas à propos de lui. Hein? On va la retrouver. Qu'est-ce maman, que tu dois te rétablir d'abord. Hein? Qu'est-ce d'abord qui m'arrive? Ça pourquoi va aller. Seulement hein? Moi? Hey. Es-tu assise toute seule ici? J'ai besoin de voir ma famille. Je veux te ramener dans ta famille, mais je veux d'abord que tu puisses mieux te sentir. Guéris d'abord, et puis je vais te ramener dans ta famille. Je me retrouve ici et de l'autre côté, ma maman est très malade. Je sais... Arrête ça. Il n'y a rien de mal avec ta mère, et rien ne va lui arriver. Ok? Je sais que maintenant, là, elle est malade. Elle a besoin de me voir. Ramène-moi à la maison. Je vais te ramener chez toi. Mais je veux d'abord que tu puisses mieux te sentir. Ok? Ok, allons-y à l'intérieur. Je vais préparer un très bon plat. Un peu de poisson. Je n'ai pas besoin de manger. Allons-y. Tu n'as rien mangé depuis le matin. Viens, hein? Tout ira mieux. Rester ici ne va rien résoudre. Est-ce que tu m'entends? Allons-y. Lentement, hein? Je pense que maintenant tu te sens déjà mieux. Allons-y. Oh Bienjulu, ça signifie quoi ce que tu viens de faire? Hein? Tu étais supposé de trouver un moyen pour la retrouver, mais tu pars sans même dire un mot. Oh Bienjulu, tu ne t'es même pas inquiété pour la pauvre femme. Elle est où ta conscience? Oh Bienjulu, mais qu'est-ce que tu vas faire? Ferme ta gueule, c'est assez cette connerie. Comment oses-tu entrer ici pour me dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire? Écoute. Je ne vais plus accepter ça de ta part. Je ne vais plus l'accepter. Maintenant, dehors. Dehors! Oh Bienjulu, tu es en train de me chasser de chez toi? Hmm? Pas de problème, je vais partir. Mais sois-en sûr que je vais revenir. Dehors! Pas de problème, oh. N'importe pas de problème. Quoi. Je vais revenir. Regardez-la. Oh Bienjulu. Oh Bienjulu. Depuis que tu es revenu du village d'Amouekwa, tu n'es plus heureux. Maintenant, l'ami d'Ozioma est venu gueuler sur toi ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Sœur, je veux qu'on me laisse tranquille. Oh Bienjulu, je suis ta sœur. Je veux savoir ce qui ne va pas. Dis-moi. Étant donné que vous ne voulez pas que j'aie la paix dans cette maison, je pense que je sais quoi faire.
Bien. Ah, c'est ton problème, oh. Moi, j'ai fait ma part. Ebuka, depuis que je suis restée chez toi, je n'ai même pas vu les membres de ta famille. Oui, c'est juste parce que je n'ai personne. Oui, ma mère est morte il y a 2 ans passés. Et cependant, je n'ai jamais vu mon père. Mais elle m'a quand même un peu parlé de lui. Je suis désolée pour la mort de ta mère. C'est bon. Qu'elle se repose en paix. C'est pas grave. Allons-y. Et on doit quand même se dépêcher. Hein. Hormozé n'est pas très proche d'ici. Tu vois, si nous passons de l'autre côté, une de passons ce village d'Adokata, je pense que c'est là-bas. Hein? Alors dépêchons-nous. Hein? Je ne peux pas croire que j'ai traversé à moi seul tous ces villages. Regarde maintenant, t'as encore repris cette conversation. Ça ne nous aide pas. Hein? Regarde, je vais rentrer avant que la nuit ne tombe. Allons-y. Hein? Allons-y, laisse-moi te ramener à la maison. Pardon. Hein? Tout ira mieux. Je te jure que tout ira mieux. Arrivé de l'autre côté, si nous passons ce village-là, nous allons déjà arriver. Essaye de fournir un peu d'effort. Maman? Maman? Papa? Maman? C'est ici ta maison? Je suis fatiguée, oh. Es-tu sûre qu'ils sont là? Oui. Maman? Hein? Chineke? Hey! Où est ma fille? Ma fille! Hey! Ujuma! Ujuma! Hey! C'est toi, ma fille? Oui, c'est moi. Hey! Maman, c'est lui qui m'a aidé et qui m'a ramené à la maison. Oui. Qui est-il? Bienvenue. Merci, papa. Il m'avait ramené chez lui et il a pris soin de moi. Hein? Et il a pris soin de mes plaies aussi. Eh oh! Maman, merci énormément. Merci. Oui, maman. Merci. Merci, papa. Merci. Oh, attends, non, maman, ne vous inquiétez pas, vous avez déjà fait assez. Non, ne vous en faites pas, s'il vous plaît, il va chercher une chaise, papa, il va on n'a même pas besoin de ça. Non, il n'y a pas de problème, on va chercher une chaise, oui, nous allons te recevoir et puis on va essayer de parler sans problème, sois calme, ça va se passer normalement. Attends, mon fils, sois un peu patient. Une fois de plus, je vous remercie beaucoup, mon fils. Merci, merci énormément. Merci, maman. Merci. Merci. Papa, vous m'aviez déjà assez remercié. Je peux toujours te remercier, mon fils. J'ai comme l'impression de te remercier tout le reste de ma vie. C'est parce que j'étais dans la meilleure position de pouvoir l'aider. Et c'est ce que j'avais fait. À ce que je suis concerné, c'est qu'elle puisse s'améliorer. Je vais commencer à l'amener à l'hôpital. Et une fois de plus, merci. Je te promets que nous allons l'amener à l'hôpital aussitôt possible. Alors, merci. Et pour la plaie. Elle s'était blessée dans la brousse où je l'avais trouvée. Ebuka. Hein? Merci beaucoup. C'est bon. Merci parce que tu m'as sauvé à beaucoup de choses. C'est rien. Merci. C'est rien. Papa, je serai maintenant en train de partir. Alors, s'il te plaît, dis-moi un peu. De quel village viens-tu dans Umoja? Papa, je suis Diziama. Iziama Mwaja. Bienvenue. Merci, papa. Merci beaucoup. Papa. Prends très bien soin de toi, ok? Merci beaucoup, bon. Maman, partons. Hein. Prenez très bien soin d'elle. On le fera. Oui, merci énormément. Merci beaucoup. Mets-toi maintenant. Papa, je m'en vais. Ah oui. Non, que merci, le Seigneur soit avec toi. Oui. Que le bien que tu nous as fait tes soirs. Merci, papa. Merci. Bonne année. Merci énormément. Bye bye. Hey. C'est bon, ma fille. C'est bon, ma fille. Pleurer ne va pas résoudre ce problème. Ma fille, il n'est pas important de crier et pleurer comme ça.
Est-ce que tu comprends? D'accord, c'est bien. Papa! Papa, aide-moi, s'il te plaît. Papa, je n'ai pas besoin de mourir. Papa, je n'ai pas besoin de mourir. Papa, je me souviens que c'est par cette maladie que mon frère Ikena est mort. Maintenant, regarde-moi. C'est bon. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Tel que je t'ai dit, pleurer ne va pas résoudre ce problème. Mais je vais te faire une promesse, ma fille. Je vais m'assurer que toute cette condition ne puisse plus t'arriver. S'il te plaît. S'il te plaît. Ça va passer. Tu vois. Et grand-mon, mon frère, son fils a eu à connaître beaucoup de problèmes. Comme s'il n'était pas son fils. Papa, regarde-moi. Papa, tu es sûr que si je sortais de cette parcelle, les gens ne vont pas me voir comme une folle? Papa, regarde ma situation. C'est bien. C'est bon. Maman, Zioma. Oh, mon Dieu, ma. Viens consoler ta fille. Non, mais où es-tu? Comment devrais-je faire pour résoudre ce problème? Je me suis rendu à plusieurs endroits, mais je n'ai trouvé aucune solution. Rien ne m'a été révélé. Où irai-je encore? Où irai-je encore? Et que fais-tu ici? Oh, Bim. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux dire? D'ailleurs, pourquoi tu es ici? Oh, Biadjoulou, ça fait 4 jours depuis que je suis rentrée. Et tu n'es même pas passé me voir. Et tu me poses la question, qu'est-ce que je fais ici? 4 jours depuis que tu es retournée de l'aventure de ta folie, n'est-ce pas? Écoute, Ozioma, je ne veux plus te voir nulle part proche de moi. Entendu? Maintenant, dehors. Pardon, ne fais pas ça. Sors de cette maison. Oh, Biadjoulou, pourquoi tu me dis toutes ces choses? Dehors. Oh, tu ne veux pas partir. Tu ne veux pas partir, n'est-ce pas? Oh, Biadjoulou, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Ah. Ozioma, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu pleures? Parle-moi, non? Qu'est-ce qu'il y a? J'étais chez Obiadjoulou. Et il m'a dit qu'il ne veut plus jamais me voir. Et il n'a même pas demandé après moi depuis que je suis rentrée. Maman, est-ce que tu peux croire à ce que Obiadjoulou m'a dit? Que je me suis remise de ma folie. Hein? Et il m'a aussi dit qu'il ne veut plus jamais me voir près de lui. Hey! Tu n'es qu'un amour. Tu veux dire, oh bien, tu lui t'as dit tout ça? Oui, maman. Hey! Je n'ai jamais aimé ce garçon. Je ne l'ai jamais aimé. Si je savais que tu partais chez lui, je n'allais pas te le permettre. Parce que le comportement qu'il avait affiché les jours où il était venu te voir ici n'était pas du tout bon. Tu sais que lorsque je leur avais dit ce qui t'est arrivé, Obiadjoulou avait quitté ici sans pour autant regarder derrière. Je ne peux pas croire que c'est Obiadjoulou qui m'a fait ça. Je ne peux pas croire qu'il m'a fait toutes ces choses. Il m'a dit qu'il m'aimait et moi aussi je l'ai cru. Ça suffit. T'inquiète ma fille. Tu seras très bien. Hein? Il ne t'a jamais aimé. Oh bien, je ne t'ai jamais aimé.
Parce que s'il t'aimait, il n'allait pas te dire ce genre de choses. Il faut toujours prier pour avoir un homme qui t'aime beaucoup, non celui que tu aimes. Écoute, si l'homme t'aime beaucoup, il fera tout pour toi, peu importe ce que c'est. Hein? Maman, ça suffit. Ça va, maman, sois forte, ma fille. Aide-moi, je l'aime. Hein? Oh, maman, oublie-le. Oublie-le. Il n'est rien pour toi. Il ne t'aime même pas, t'inquiète. Life is painful when life is bitter. Ozi, oh, je suis très contente de ton retour. Ravie de te revoir. Ozi, tu pleures. Pourquoi est-ce que tu pleures? Écoute, tu dois être reconnaissant envers Dieu parce que tu es retournée saine et sauve. Ok? Arrête de pleurer. Kinika, pourquoi moi? Je veux dire, pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi? Bien sûr, je suis contente de rentrer. Alors, essuie tes larmes. Enlève cette humeur. Ça va très bien. Même Obiadjoulou vient de me dire que je me suis remise de ma folie. Mais pourquoi tout le monde me dit ça? Qu'est-ce que tu veux dire? J'étais allée voir Obiadjoulou. Pour lui demander pourquoi il n'est pas venu me voir depuis que je suis rentrée. Ok. Et il m'a dit que je me suis justement remise de ma folie. Quoi? Attends, tu veux dire que Obiadjoulou t'a dit ça? Mon Dieu. Tu sais quoi? Essuie juste tes larmes, ok? Arrête de pleurer. Il ne te mérite pas. Arrête de penser à lui. Hein? Je ne peux pas oublier Obiadjoulou. Je ne peux pas oublier Obiadjoulou. Je l'aime beaucoup. Je ne peux pas l'oublier. J'aime Obiadjoulou du fond de mon cœur. Je ne peux pas l'oublier. Tu sais quoi? Je veux revenir. Mais où est-ce que tu vas? Genika! Genika! Oh mon Dieu! Je ne peux pas croire que je t'ai devenue folle et que Obiadjoulou me dise toutes ces choses. Il va me sentir. Obiadjoulou! Obiadjoulou! Il est où cet idiot qu'on appelle Obiadjoulou? Viens me dire pourquoi tu as dit toutes ces choses à propos de mon ami, toi qui es fou! Hey! Jeune fille, qui es-tu? C'est la deuxième fois que je te vois dans cette parcelle en m'énonçant mon petit frère. Qui es-tu et qu'est-ce que tu veux de lui? Madame, pardon, je ne suis pas ici pour vous. Dis à ton frère de venir, s'il est à l'intérieur, de venir justement m'affronter. Obiadjoulou, viens ici. Es-tu stupide? N'as-tu pas le respect pour le grande personne? Tu es entré dans cette parcelle sans me saluer. Et tu donnes des qualifications à mon frère. Hein? Es-tu folle ou quoi? Je t'ai dit, je ne suis pas folle. Si ton frère est là, appelle-le. Dinika, pourquoi tu es venu ici? Pourquoi tu es là échangeant de mots avec ma sœur? Es-tu dingue? Comment oses-tu dire toutes ces choses à mon ami? Obiadjoulou, elle est où ta conscience? Hein? Je pensais que tu avais dit que tu l'aimais, hein?
Elle est où l'amour que tu dis, toi, porc? Oh bien, laisse-la. Mon ami. Ah, Gigi. Ah, ah. Comment tu vas, non? Je vais bien, oh. Je t'ai vu venir chez moi. J'espère que tout va très bien. Non, tout va bien. Et je vais bien aussi, oh. Alors, je peux t'offrir quelque chose? Non. Mon ami, je voulais te poser une question. Ok, vas-y. Tu t'es disputé avec Ebuka? Disputé avec Ebuka? Non? La sœur d'Ebuka est là? À ce que je sache, Ebuka n'a jamais eu de sœur. Est-ce que celle qui est dans la maison d'Ebuka, c'est ta sœur? Ma sœur n'est pas chez Ebuka. Non, c'est parce que j'ai vu une fille dans la maison d'Ebuka. Et c'est là depuis 4 jours déjà. Alors... A logé une fille pendant 4 jours? Ebuka a logé une fille dans sa maison? Es-tu sûr? Tu n'es pas au courant. Attends. Isso, où est-ce que tu es en train d'aller? Ça ne peut pas être où possible. Où est-ce que tu vas? Non. Ah, ok, oh. Je revenais juste du marché et j'étais venue. Ah, je suis partie. Ebuka. Moi, je ne sais pas où je vais aller voir. Dès que tu arrives là-bas, tu vas m'oublier. La femme la plus belle. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Ebuka. Ebuka. Tu m'as dit que tu es la seule femme que tu aimes. C'est ce que tu es. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as emmené une autre fille ici dans cette maison. Tu lui as même donné mes habits pour mettre. Ebuka, pourquoi? Ebuka, pourquoi? J'ai amené une autre femme dans cette maison. C'est ça ta conclusion? Bébé, ce que tu devais d'abord faire, c'est que tu devais premièrement me demander. C'était qui la dame qui était dans la maison? Et comment est-ce qu'elle est arrivée ici? Et pas venir me voir pour me donner une conclusion, dire que tu avais une femme ici dans ma maison. Bébé, tu sais que je suis un chasseur. Hein? J'étais parti dans la forêt pour pouvoir chasser. Et c'est là que j'ai rencontré cette dame, avec une très grosse plaie dans sa jambe. Et je m'étais décidé de l'aider. Je l'avais ramenée ici à la maison, j'étais en train de lui donner quelques produits et autres. Je l'avais déjà raccompagnée chez elle, il y a des jours passés. Elle ne plie là. As-tu vu quelqu'un là? Elle ne plie là. Hein? Donc c'est pourquoi tu es en train de me faire toute cette tête, cette attitude. Hein? Ebuka, hein? Tu sais que je t'aime énormément. Et tu sais aussi que je t'aime. Hein? je vais maintenant aller récupérer. Tu connais la fille là qui me doit, non? Je vais maintenant aller récupérer mon argent chez elle. Allons-y maintenant ensemble. La plus belle fille, c'est toi la plus belle. Regarde-moi cet enfant. Il veut tuer sa mère. Hey, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Hey! Au secours! À l'aide! À l'aide! Je suis désolé. Je suis désolé, ma chère. Je suis désolé.
Je vais le faire calmement, ok? Je suis désolé. Lentement. Lentement, lentement. Hein? Doucement, 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 ma chère. Désolé, hein? Tu vas mieux te sentir. Je suis désolé, hein? Très bientôt, tout va bien s'arranger, ok? Jusqu'à quand? Non, jusqu'à quand? À mon âge, j'ai besoin de la pédicure. Tous les jours, des problèmes. D'un problème à un autre, à tout moment. Pourquoi? C'est bon. Mon amour, regarde, je sais comment tu te sens. Et moi aussi, je me sens de la même manière. Nous avions une réunion aujourd'hui à propos de comment nous pouvons faire face à tous ces problèmes. J'espère que ça nous aide à trouver une solution. Ok? Qui est-ce que j'ai offensé? Qui est-ce que j'ai offensé? Mon Dieu! Hey! C'est très bien, mon amour, c'est très bien. Tu vois, quand tu pleures comme ça, là, ça fait très très mal à mon cœur. Arrête de pleurer. Pourquoi mon... Tu es ma source de force. Et quand je te vois sortir des larmes, comment veux-tu que je puisse gérer cette situation? C'est bon. Kunika, hmm? J'étais en route pour chez toi. Je venais aussi pour te voir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien du tout. C'est quoi ces plaies sur ton corps? Izzy, t'inquiète, je vais bien. Alors dis-moi, comment t'es sentie aujourd'hui? Ne me dis pas de ne pas m'inquiéter. Ça fait 2 jours que tu es partie furieuse de chez moi. Et je te vois aujourd'hui avec toutes ces plaies dans ton corps. Et tu es en train de me dire de ne pas m'inquiéter? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Mon ami, dis-moi, non? Oh, ça va. Comme tu insistes, je veux te le dire. C'est Obiachulu qui m'a fait ça. Je ne comprends pas. Comment cela s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te rappelles du jour où j'avais quitté chez toi sous la colère? Hein? J'étais partie chez lui pour lui demander pourquoi il s'était parlé de la sorte. Et l'idiot avait commencé à me taper. Il a commencé par me gifler et puis il a pris un bâton. Attends, tu veux dire que c'est Obiachulu qui t'a tapé? Oui. Regarde. Tout ça, c'est Obiachulu. Désolée, mon ami. C'est pas comme ça, non? T'as beaucoup blessé. Désolée. On t'a justement tapé à cause de moi. Non, ne dis pas ça. Ce n'est pas de ta faute. T'inquiète, ce n'est pas de ta faute. C'est bon. Est-ce que tu as pris les médicaments? Oui, j'avais pris les médicaments. Tu es sûre? T'inquiète, je vais très bien. S'il te plaît, arrête de pleurer. Ça va. Doucement, ça va. Ok, allons chez vous. D'accord, oui. Arrête de pleurer, non, je suis désolée. Ce garçon est vraiment un Donc, idiot. Donc, Obiachulu est devenu comme une bête. Juste comme ça. As-tu vu ce qu'il m'a fait? Oui, je te l'avais dit. Regarde mon corps, vraiment, il est méchant. Mes frères, alors nous devons contacter Ntaka qui va nous conduire dans la grande loge de l'autre côté. Alors on est tous préparés? Mais bien sûr. Je suis déjà préparé. En fait, je suis vraiment fatigué de toute cette situation. On n'a qu'à partir. On part.
Je suis prêt. Nous n'avons pas du tout à perdre. Commençons déjà à aller. Hein? Faisons cette chose une fois pour toutes. Je prie que nous puissions avoir une solution permanente à tous ces problèmes qui brisent nos familles. Alors, il faut déjà qu'on s'en aille, oui. Et que notre chemin nous soit ouvert. Ici. On s'en va maintenant. Toutes ces choses deviennent bizarres. Les mêmes hommes que je vois toujours dans mes rêves, me montrant à moi la bonne direction. La bonne direction, c'est le même homme dont j'avais sauvé sa fille. Je vous salue, le grand. Que tu vives longtemps, mon fils. Ici. Retourne. Rentre. Ceci n'est pas un bon chemin. Tel que tu pars, prends ta droite. Cela est un bon chemin. Je veux que quelqu'un puisse m'expliquer tout ça. Je souhaite que maman puisse être en vie. C'est ça mon souhait. Oh bien Kwezu! Maman! Oh bien Kwezu! Oh bien Kwezu! Viens me donner la nourriture! Hein? Tu veux que je chante une deuxième chanson pour toi? Viens me donner à manger! Maman, viens me donner à manger, ma katine est go-go-gou. Viens me donner la nourriture, ma katine est go-go-gou. Viens me donner la nourriture, ma katine est go-go-gou. Ma katine est go-go-gou. Ma katine est go-go-gou. Viens me donner la nourriture, je risque de rater mon avion. D'ailleurs, je suis joueur à Manchester United. Viens me donner à manger, mes coéquipiers m'attendent. Hein? Viens me donner la nourriture rapidement. Alors si mes coéquipiers perdent, comment est-ce qu'on sera qualifié? Hein? Oh bien Kwezu? Oh bien Kwezu? Oh bien Kwezu, viens me donner la nourriture, non? Il ne faut pas traîner parce que je ne dois pas rater le vol. Hey! 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 Ma katine ga go go go. Ma katine ga go go go. Maman! Comment est-ce que je vais jouer au football, hein? Si tu refuses de me donner à manger, hein? Hein? Mes coéquipiers m'attendent. Cristiano Ronaldo est en train de m'attendre, hein? Nao, maman. Maman, viens me donner la nourriture, non? Je suis en train de te supplier. Je te supplie. Je t'en supplie, oh. S'il te plaît, viens me donner la nourriture, s'il te plaît, s'il te plaît. Viens me donner à manger, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais ici, Ozioma? Je crois t'avoir dit de ne plus jamais m'approcher nulle part, n'est-ce pas? Obim, notre amour me manque. Je te dis vrai que notre amour me manque. Mais pourquoi tu me dis toutes ces horribles choses? Tu m'avais dit que tu m'aimais, non? S'il te plaît, j'ai besoin de toi maintenant plus que jamais. Ça, c'était avant. Qu'est-ce que les gens de cette communauté diront de moi? Et comment est-ce que c'est possible que je sorte avec une fille folle? S'il te plaît, arrête. Oh bien, Julou, arrête. Comme tu le vois, je sortais déjà avant ton arrivée. Et en aucun cas ne raterai-je mon rendez-vous à cause de toi. Oh bien, Julou, s'il te plaît. Pardon. Et écoute. Oh bien, Julou, je pardon. Te préviens pour la dernière fois. Je ne veux plus te voir nulle part proche de moi. Éloigne-toi de moi. Ah!
Obia Djoulou, s'il te plaît, ne me fais pas ça, je t'aime. Obia Djoulou. Obia Djoulou, pardon. Ma chérie. Obim, c'est quoi ça? Peux-tu vraiment savoir ce qu'il y a dedans? Mm-hmm. Es-tu sûre? Oui, devine. Non, dis-moi. Je suis pas une bonne devinette. Dis-moi justement. Et c'est non. Dis-moi non. Ok, je ne veux pas trop stresser mon amour. Mm-hmm. Allez, prends. Ouvre-le. Tout est tien. Pour ouais, moi? Tout. Tu m'as acheté ouais. un habit? Oh mon Dieu, c'est très joli. Merci, ça te plaît, n'est-ce oh, pas? Oh chérie. J'ai un peu... Oh, chérie, merci. De rien. Merci de m'aimer. T'as pas besoin de me remercier pour t'avoir aimé. Écoute, c'est une promesse que je me suis faite, ok? Tu vois, très bientôt, je voyagerai en ville. Je gagnerai beaucoup d'argent et je reviendrai au village. On se mariera, puis je t'emmènerai en ville. Nous allons nous marier. Oui, bien sûr. Oh, merci beaucoup, chérie. Moi aussi. Je ne sais même pas quoi te dire. Mon amour, il n'est pas nécessaire que tu te plaignes de ce sujet de quoi dire et de quoi ne pas dire. Aussi longtemps que je vis, je me suis fait cette promesse qu'aucune autre femme de ce monde ne prendra mon cœur. C'est une promesse. Merci beaucoup, bébé. Je t'aime. Je t'aime davantage. Tu sais qu'il fait tard, alors je dois t'emmener à la maison avant que maman ne commence à s'inquiéter. Tu sais que tu es tout ce qu'elle a maintenant. D'accord. Je t'aime davantage. Tu le sais, je t'aime. Hé! Hey. Maman! Hey, mais c'est quoi encore ces problèmes, mon Dieu? Hein? Mais qu'est-ce qui nous arrive encore? Que ça ne soit pas ce dont je pense, oh! Que ça ne soit pas ainsi, oh! Mais qu'est-ce qui les retient là-bas? Il ne m'avait pas dit qu'ils ne vont pas rentrer aujourd'hui. Mais il s'est fait déjà tard. Hein? Papa est en train d'affronter toutes ces épreuves à cause de moi. Pourquoi je n'étais pas morte dans cette forêt? Pourquoi? Parce qu'après, j'ai été rejetée de l'homme que j'aime. Au nom de Jésus, avec ce que tu dis là, ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Écoute-moi, tu te trompes. Hein? Tu seras toujours en vie. Qu'est-ce qui te prend? Hein? Veux-tu te tuer à cause de cet imbécile? Tu penses que ton père est allé là-bas? C'est pour ta vie, n'est-ce pas? C'est pour que tu sois bien en vie. Hein? Pourquoi ne pas te concentrer sur ta vie? Et tu es là,
en train de penser à cet idiot qui ne connaît même pas ton existence. Qui est ce Obiajuru? Qui est-il, dis-moi? Tu es là en train de me parler d'une personne qui n'a même pas un sens. Agada bachulu zoni fukwa dodogu. Alusi na funi fa funa zizo ye. Ndi ubo sina. Ongu burune. Buona. Buenwa. Obaya. Ongu ne ubundi. L'ignorance va éliminer toute cette famille si elle ne cherche pas à savoir c'est pourquoi elle meurt. Oui, oui, exactement ça. Vous disiez que c'est comme ça. Je sais pourquoi vous êtes ici. Tu lui as déjà informé. Je lui ai rien dit. Les dieux savent. Ils sont au courant de tout. Les sangs des innocents est en train de bouillir et créer la poussière. Dans votre famille. Je sais que vous êtes intéressé à connaître tout. C'est exactement ça. Oui, oui, oui. C'est pourquoi vous êtes ici. C'est exactement ça. Oya de mana kene kwengio. Nokivi kule kuna vyane memmen. Vos familles sont en train de souffrir des péchés que vos grands-pères ont commis contre leurs aïeux. Des personnes innocentes ont été humiliées. Il a été accusé d'avoir déshonoré une fille. A Dieu le laisser nue et le traîner tout le long du village pour quelque chose dont il est innocent. Dans la scène de l'incident, son petit fils Sinégo est venu déplorer toute cette situation. Et on l'a frappé. Il a été frappé farouchement. Et ça a dérangé les gens. Après l'incident, il est tombé malade. Il a maudit tout le monde qui était impliqué. Et l'humilié. Le dernier mot qu'il a prononcé. Que la folie rencontre tout le monde. Qu'il a humilié. Hey! Voilà le problème. Voilà le problème. Vraiment, il y a 3 semaines. Après que tu aies performé un rituel. Oui, oui. Vous avez raison, voyons. Le rituel a soulevé beaucoup de poussière dans le monde spirituel. Nietzsche et d'autres esprits n'étaient pas apaisés avant le rituel. Les yeux de Dieu, comment pouvons-nous apaiser son esprit et alléger, parce que nous n'étions pas là quand tout ceci s'est passé. On ne connaît rien. Est-ce que ce n'est pas ça? Maman, Osioma. Ça maintenant, c'est juste. Maman, Osioma. Oui. Oui, Pédia. Maman Osioma, je ne vois pas mon mari. Je ne sais pas ce qui se passe. Hey! Calme-toi d'abord, hein? Assieds-toi haut. Sois calme.
Moi également, je n'ai pas encore vu mon mari. Oui, hey, Ozioma et moi sommes assises ici pour les attendre. Hey, ah ah, j'ai peur de rester dans cette maison-là toute seule avec Chinedu. Hey, il est devenu très violent ces derniers temps. Et s'il coupait sa chaîne et qu'il m'attaque encore, je ne pense pas que je saurais me défendre. C'est bon, ma sœur Oh, tout va très bien se passer. Oh, asseyons-nous ici et attendons-le. Hein? Hey. Oh, je suis fatiguée. J'ai vraiment très peur. Et s'il y a quelque chose qui est arrivé à mon mari, quel sera mon destin avec un garçon fou à la maison? Oh mon Dieu. Maman, la maman de Chinedu, s'il te plaît. Sois positive, s'il te plaît. Nous sommes là, nous sommes inquiètes à les attendre. De quelle positivité parles-tu? D'être positive. Nim, essaye d'être positive. Si tu ne peux pas rentrer à la maison à cause de Chinedu, je pense que tu peux dormir ici avec nous. J'ai pitié de mon fils, mais je souhaite bien passer la nuit ici. Mais je ne serai pas, ma conscience ne sera pas tranquille. Je dois rentrer chez moi. Je ne serai pas laissé Chinedu tout seul. Hein? Bonne nuit à vous. Oh, tu pars. Fais beaucoup attention. Hein? Alors, vous devez payer le prix. Ça devrait être un sacrifice, Lichie. Et c'est un sacrifice humain. Un sacrifice humain. Hey. Est-ce que c'est moi qui vais les donner? Ok. Maintenant. Le grand Ichaka. Nous sommes prêts à payer le prix. Nous sommes prêts à offrir les sacrifices. Tant que cela permet que nos familles puissent retrouver la paix. Oui. Nous sommes prêts. Grand Ichaka, nous te remercions du fait que tu nous as donné des précisions sur cette malédiction. Si nous sommes venus ici chez toi, c'est parce que nous avons de l'importance à accorder à cette situation. Alors, du moment où il s'agit d'un sacrifice humain, dis-nous maintenant, de qui s'agit-il? C'est à la fois facile et difficile. Non, attends. C'est facile et à la fois difficile en même temps. Oui, mais exactement. Dites-nous, c'est que c'est. Peu importe le problème, nous sommes capables de trouver une solution pour que nous puissions mettre fin à ce problème une fois pour toutes, n'est-ce pas? Oui, oui. Nous sommes prêts. Aux familles, devront sacrifier 4 veaux. Enigo, c'est bon. Les 4 veaux vont représenter les 4 jours marqués. Deuxièmement, une femme enceinte. Oh non, c'est pas vrai. Où est-ce que nous avons trouvé tout ça? Oh mon Dieu. Ah.